Bah, moi, en fait, j'ai été formé au Mans, donc à l'âge de 14 ans, j'ai rejoint le Mans après avoir fait toute ma jeunesse au Sable FC. Donc ensuite, après, bah, j'ai fait les différentes étapes de la formation au Mans, donc 14 ans, 16 ans, 18 ans. Après, j'ai intégré le groupe de CFA. Puis après, j'ai été directement pro, donc voilà, j'ai fait une trentaine de matchs en Ligue 2 et j'ai signé mon premier contrat pro. J'avais 18 ans sous la forme d'un contrat élite. Donc voilà, après le Mans a fait un dépôt de bilan malheureusement et je me suis retrouvé à l'Uznac avec lequel j'ai fait la montée en Ligue 2. Mais malheureusement, ça a freiné ma progression avec cette rupture des ligaments croisés au mois d'avril. Donc après, je me suis retrouvé 10 mois sans jouer vu que l'Uznac n'a pas été accepté en Ligue 2. Et du coup, après, le temps de revenir, tout ça à mon niveau, je me suis retrouvé à Châteauroux fin janvier et j'ai fait les 6 derniers mois de la saison l'année dernière à Châteauroux en Ligue 2. Bah, moi, j'aime bien jouer au milieu en 6, en 8 ou en 10. Donc ça me permet de voir le jeu, de pouvoir toucher beaucoup de ballons et surtout d'avoir, on va dire, le jeu de l'équipe en main avec les coéquipiers qui jouent au milieu. Donc voilà, et moi, j'aime bien toucher le ballon. Bah voilà, moi je cherche une équipe ambitieuse qui aime jouer au ballon, donc j'aimerais trouver un projet au moins en national. Après, je sais que le foot c'est compliqué, il y a beaucoup de chômeurs comme on peut le voir au stage et tous ceux qui ne sont pas venus au stage. Donc voilà, après il faut étudier les différentes propositions, que ce soit à l'étranger ou en France, je suis ouvert à toutes les propositions. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'envie. Après, moi, j'ai connu la galère donc par le Mans, surtout après la blessure à l'Uznac. Donc voilà, j'ai peut-être un peu plus l'écrou que les autres, mais tout le monde a l'écrou ici et a vraiment envie de trouver un club très rapidement. Donc c'est pour ça que tout le monde donne tout sur le terrain et en espérant qu'un club nous recrute. Bon, moi, je me sens très bien. On a un super groupe. On s'entend tous très bien. On rigole bien, malgré qu'on soit tous dans une situation difficile qui est au chômage. Donc voilà, mais après, on essaye de se prendre la tête le moins possible et de rigoler, de se faire plaisir sur le terrain. Et pour moi, je pense que tout se passe bien. Il y a un super groupe ici, on est dans un super lieu pour travailler. Donc tout va bien, il ne manque plus qu'à trouver un club. Et après, on espère partir le plus rapidement possible d'ici.